Et bienvenue dans ce cours sur netprof.fr consacré à l'étude du pendule simple. Je vais vous présenter un cours interactif de physique qui s'inscrit dans le chapitre Évolution temporelle des systèmes mécaniques du programme des classes de terminale. Dans ce chapitre, les systèmes mécaniques oscillants occupent une bonne place et l'étude du pendule simple s'avère importante puisque son mouvement est celui d'un oscillateur mécanique qui traduit parfaitement le mouvement de vibration de systèmes comme la membrane d'un haut-parleur par exemple, d'un diapason, d'une balançoire, etc. Je vais donc commencer par la description de mon application interactive. D'abord, je supprime cette fenêtre-là et j'appelle ma fenêtre interactive. Donc, voilà. Donc, c'est une application interactive qui est en fait une applet Java que j'ai divisée en deux parties. Une partie de gauche qui commande les fonctionnalités du pendule et une partie de droite que voici qui affiche le pendule et ses paramètres. La partie commande est constituée d'une série de boutons mais aussi d'une série de cases à cocher que voici. Et les boutons comme les cases à cocher permettent la visualisation des paramètres souhaités. Donc je vais d'abord commencer par la description de mon pendule. Il me suffit pour cela d'appuyer sur ce bouton-là. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un support fixe auquel je suspends un fil et au bout du fil j'accroche une masse que je suppose ponctuelle. À l'extrême droite de mon tableau j'ai un petit cadran qui fait office d'un chronomètre. Donc quand je déclenche le mouvement du pendule, automatiquement le chronomètre se déclenche. On va maintenant décrire notre pendule. Le pendule simple est en fait un pendule pesant simplifié. Écarté de sa position d'équilibre, il oscille sous l'action de son poids, en fait de du poids de la masse, puisque nous avons un fil de masse négligeable et au passage je précise qu'il est inextensible. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on écarte notre pendule de sa position d'équilibre? On va tout de suite le voir. Il me suffit pour cela de l'écarter d'abord de sa position d'équilibre. Donc, je l'ai donc écarté d'un angle θ que je peux par exemple visualiser si je coche cette case-là. Et une fois abandonné à lui-même, sans vitesse initiale, mon pendule va osciller librement. Librement, ça veut dire qu'il n'y a aucune intervention extérieure lors de son mouvement. Donc, nous allons commencer le mouvement et pour cela, il me suffit juste de cliquer sur abandonner, sur le bouton relatif à ceci, abandonner le système sans vitesse initiale. Voilà. Et voilà, nous avons abandonné notre système qui se met à osciller. Les cases à cocher maintenant, elles me permettent de visualiser certains paramètres, comme par exemple le poids. Voilà. Donc le poids, c'est un vecteur qui est constamment dirigé vers le bas. Et je peux aussi montrer la vitesse de mon pendule en cochant cette case-ci. Bon, avant de montrer ma vitesse, je vais faire quelques petites remarques. Qu'est-ce que je vois à propos de mon pendule? Je vois qu'il est en train d'osciller autour d'une position d'équilibre qui est la verticale pour le fil. Voilà. Donc, si j'observe bien le mouvement, qu'est-ce que je vois? Je vois que la vitesse de la masse s'annule à peu près en ce point-là. C'est-à-dire lorsque l'amplitude de l'angle est maximale par ici et par là. Donc, par convention, on peut dire que l'amplitude maximale est positive à droite
et est négative à gauche. Donc, je vais maintenant voir le comportement du vecteur vitesse et pour cela, je vais cocher cette case-là. Voilà. Là, je vois en effet que la vitesse change constamment en sens, en direction, mais aussi en module, puisque je vois que le vecteur vitesse, le module du vecteur vitesse s'annule en ce point-ci, lorsque l'amplitude est maximale, mais aussi en ce point-là. Là aussi, lorsque l'amplitude est maximale, mais par valeur négative. Je m'aperçois aussi que le vecteur vitesse, le module du vecteur vitesse, est maximal lorsque le pendule passe par la position d'équilibre. Donc je vais maintenant décocher le poids pour ne pas trop charger ma représentation et je vais aussi augmenter la longueur de mon fil et pour cela il me suffit de saisir dans ce petit champ ici la nouvelle longueur que je prends 2 mètres par exemple. Voilà. Là j'ai allongé mon fil. Voilà. Et je vois le vecteur vitesse qui s'est aussi le module du vecteur vitesse a aussi augmenté du fait que la longueur du fil a augmenté. Donc je vais maintenant montrer comment se comporte la tension du fil et pour cela il me suffit de cocher cette case là. Donc là voici la tension S que j'ai appelée S et là aussi nous voyons qu'elle a un comportement similaire à celui de la vitesse, à savoir que la tension, bien sûr, la direction de la tension est celle du fil, mais son module, qu'on observe bien, lui aussi oscille. Il oscille entre deux valeurs maximales lorsque le pendule passe par la position d'équilibre et minimale lorsque la vitesse de la masse s'annule. Voilà. Je peux également représenter les forces qui s'appliquent sur mon pendule. Je peux montrer la force tangentielle. Voilà. Bon, pour la clarté, je vais décocher peut-être ces deux cases-là. La tension et la vitesse. Donc ça, c'est la force tangentielle. Pourquoi nous disons la force tangentielle? Parce que en fait, elle est tangente à la trajectoire que je peux visualiser ici. Voilà. Nous remarquons pour cette force qu'elle est constamment dirigée vers la position d'équilibre, c'est-à-dire lorsque le pendule oscille à droite de la position d'équilibre, la force tangentielle est dirigée à gauche et vice-versa lorsque le pendule est à gauche de la position d'équilibre. Voilà. Je peux aussi montrer ma force, la force radiale qui s'exerce sur le pendule, qui est là. Et là, qu'est-ce que j'aperçois? J'aperçois que les forces radiales et tangentielles sont en opposition de phase. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand la force tangentielle est maximale, la force radiale est nulle. Et inversement, quand la force tangentielle s'annule, la force radiale est maximale. Bien sûr, je peux représenter la force totale F en cochant cette case-là. Et là, nous voyons le comportement de la force totale qui, rappelons-le, la force totale F n'est rien d'autre que la force de Newton, c'est-à-dire F égale M gamma. Voilà, j'ai décrit toutes les contraintes qui s'exercent sur, toutes les forces qui s'exercent sur mon pendule. J'ai aussi montré la vitesse et la tension. Il ne me reste peut-être
Il me reste peut-être juste à dire un mot sur l'énergie du pendule. Donc, je vais décocher ces cases-là pour laisser mon pendule, pour laisser sa représentation un peu claire. Voilà. Donc, pour l'énergie cinétique EC est égale à 1/2 de MV2. Bien sûr, l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. C'est-à-dire que lorsque la vitesse est maximale, l'énergie cinétique est maximale. Et lorsque la vitesse s'annule, en ces deux points, bien sûr, l'énergie cinétique s'annule. J'ai préféré la représenter comme ceci. C'est une barre qui oscille entre deux valeurs maximales et nulles. Lorsque la vitesse, le module de la vitesse s'annule, l'énergie cinétique est nulle. Et lorsque la masse passe par la position d'équilibre avec une vitesse maximale, l'énergie cinétique est maximale. Je peux aussi représenter l'énergie potentielle. Il me suffit pour ceci de cliquer, de cocher cette case. Et là, je vois une barre relative à l'énergie potentielle. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'énergie potentielle? J'ai d'abord pris comme origine des énergies potentielles 0. Ce point-là, c'est le point le plus bas du pendule. Là, on a une énergie potentielle nulle. Et lorsque la masse occupe la position la plus élevée, c'est-à-dire ici, nous disons que l'énergie potentielle est maximale. Et je vois là aussi que ces énergies potentielles et cinétiques qui oscillent sont en opposition de phase. Cela veut dire que lorsque l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle, elle est nulle. Et inversement, lorsque l'énergie cinétique est nulle, l'énergie potentielle est maximale. Si bien que lorsqu'on fait la somme des énergies potentielles et maximales, nous obtenons l'énergie totale qui est ici, que j'ai représentée ici, et qui, elle, est constante. Nous disons alors, lorsque il n'y a pas d'amortissement, lorsqu'il n'y a pas de frottement, que l'énergie d'un pendule est une constante de mouvement. Donc voilà, nous avons décrit à peu près tous les paramètres qui concernent un pendule simple en l'absence de frottement. Et après cette description, nous verrons dans un prochain cours l'étude théorique du pendule dans laquelle nous calculons certains de ses paramètres, comme par exemple l'amplitude de son oscillation en fonction du temps, la période de ses oscillations, mais aussi la tension de son fil, ainsi que certains de ses paramètres. Voilà, je vous remercie.